Que ça marche bien. Mise à jour tout le temps. Bon, on verra bien. Le son, ça a l'air d'être ok. Je sais pas si c'est assez fort. Sinon, je parle plus fort. Ça, c'est ok. Je partage. Ah, si je mets Game Capture, ça peut être mieux du coup. Que l'écran. Si je fais ça. Chercher un jeu à capturer. Voilà, c'est mieux. Hein. Cacher lui pour l'instant. Hop, garé. Ouais, comme ça je vois mon écran et les gens voient ça en fait. Presque joué d'ici. Hop. Juste vérifier que le son est ok. Oh, sinon je demanderai à quelqu'un. Et qu'est-ce que je joue? Là, on est bronze, peut-être pas obligé de faire péter les trucs au petit direct, on peut peut-être s'amuser un peu. Je me rappelle même plus ce que c'est celui-là. Allez, je vais remonter les decks. Comme ça, on supprimera ceux qui sont nuls. Twitch, tu te mets à jour ou pas? Live. Allô? Ah oui, j'ai cru ça. Allô? J'espère que vous êtes d'attaque. Est-ce qu'on m'entend? Oh, je vais t'aider là. Alors déjà. Faut que je règle mon bird là. Pourquoi lui on l'entend pas là? Le jeu ça a l'air d'être bon. Le micro s'active mais je m'entends pas. Alors je m'entends pas juste sur l'appli ou... Si je fais genre ça. Je m'entends parler ou pas? Je m'entends parler ou pas? Ouais, je m'entends. Donc c'est que c'est bon. Hop, et maintenant il faut jouer. Excusez-moi, monsieur. Bon, le druide, on va se faire déchirer. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire lui. Non. Oh, 2-6 contre druide. C'est pas le bon deck. C'est ça, hein. Elle est trop chiante à passer cette carte, hein, en fait. Élémentaire fondu. Donc, pas complètement givré. Il va déjà qu'elle a claqué des sorts? Oui. Je l'ai pas tué lui avec lui. Hein. Non, mais il me tue tour 5 là? Ça n'a pas moyen de mourir quand même. Il voulait juste éliminer lui là. En fait, lui, c'est bien quand t'as posé Insidious, mais là, je m'en fous d'aller piocher. Est-ce que j'essaie d'accélérer? Ouais, je vais éliminer son dégât des sorts, là. Parce que, ouais. Donc, la pièce, c'est peut-être mieux de la claquer pour ça et ça, non? Et ça fait beaucoup de bornes, du coup, ça tanque un peu ses dégâts des sorts. Hein. Mais là, il y a les portes fermées, ça se trouve comment, ce machin? Ça se trouve pas, là. Alors, je vais temporiser une fois. Il vous en
Attends, il a dit il nous encuivra, j'ai pas. J'ai jamais fait gaffe. Je joue pas trop avec le son, du coup je fais pas gaffe à ce qu'ils disent. Je peux taper là-dedans. Non, parce que du coup ça touche le jeu. Ok. Alors je vois le chat, mais je peux pas interagir de direct dessus. Bizarre. Ça sent pas bon ça, ça sent balayer. Astiquer, casa toujours fait bon. Je pense que je suis mort, c'est ça, 9 de mana. Vas-y, mais c'est relou cette carte. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils aient à chaque fois les deux lieux, les sorts. Il y a quand même 30 cartes dans le machin là. Un bronze 5. Je t'ai battu. Attends, qui joue? On voit rien avec ce truc là. Alors attends, il y a... Zerei et chaud patate. Bon, en fait, faut le laisser faire son truc là, j'ai pas le choix. Moi j'ai combien? 11. Le temps n'attend personne. 17. J'ai même pas de quoi le tuer. Bon, je s'en fiche. On va pour en parler. Ah, il a pas le monsieur horizon. C'est ça le truc qu'il a pas trop. Ça, ça tanque pas mal les trucs quand même, non? Je me dis, je peux mettre lui. Ça fait 1, 3, 4, il reste 2. Où je mets ça? Parce que j'ai besoin de récupérer un peu de points de vie. Le problème, c'est que je me souviens plus ce qu'elle fait cette carte. Ouais, c'est vrai. On va jouer ça, je crois. Est-ce que je peux tuer elle et reprendre un peu de vie, c'est ça, non? Non, je reprends pas de vie. En 12 points? Ah merde, c'est con, c'est gâché. Ouais, c'est nul. Et du coup, je vais faire ça, je crois. Je sais pas ce qui est le pire, c'est de laisser le petit truc ou... Et elle en reposera un autre au pire. Non, je pense que c'était pas ça qu'il fallait jouer. J'ai confondu avec l'autre là. Le titan. Lui il fait des 3 points de dégâts et 33 points de vie. C'était sympa. Du coup ça rendait des vies à celui-là. Il manque un truc, non? Bon, il l'a trouvé a priori. Coup de 5, monsieur Horizon. Faites attention, mes enfants. Okay. Il a quoi? Il a peur que je le tue? Il est fou, lui, non? Je pense que je suis obligé de poser ça. Oh, c'est pas mal ça. Mais je pense que je suis mort quand même. Faites attention, mes enfants.
Une taunt ? Bizarre. Pioche un sort ? Il lui manque quoi ? Parce que là, il n'y a pas de dégâts des sorts. Il a pas l'air de vouloir l'activer. Il reste que 5 de mana. Est-ce qu'il aurait pas fait des boulettes? Le temps n'attend personne. Un dégât des sorts quand même. De suffire, je crois. Ça va bien, et toi? Désolé, c'est pas échec aujourd'hui. Et bim! Bon, je pense qu'on l'a gagné parce qu'il devait pas bien connaître le druide. Il lui manquait vraiment quelque chose dans la main. Ça me paraît bizarre. Super, en plus on fait les quêtes. Je me rappelle de toi. Après, je fais pas partie des streamers à 5000 personnes, donc je me souviens à peu près. Après, on a un tips, mais je l'ai pas utilisé. Tu peux aller voir quand tu cliques sur les personnes, la dernière conversation. Des fois, ça aide aussi de dire tiens. Attends. Contre Uther. Je combattrai avec honneur. J'espère que vous êtes d'attaque. Non. Non. Contre paladin. Ouais, faut que j'ai chopé le... En fait, lui, il est nul, presque. Je préfère celle qui est gelée. C'est cheat. Mais j'ai dit que je l'avais pas fait, là. Mais on peut. Les échecs, par contre, j'ai gagné un tournoi dans une ludothèque. J'étais content quand même. Ça compte. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, j'ai une shield Android. C'est un petit boîtier Android. Et il me propose des vidéos Twitch. Et à un moment, il me propose ma vidéo. À un moment où je galère contre quelqu'un, machin et tout. Et j'ai regardé la partie avec mon fils. On a fait mais. Il m'a dit, mais papa, t'étais nul. Effectivement. Je suis assez d'accord avec lui quand j'ai vu la partie. J'ai fait, purée, c'est... Ouais, on peut jouer aussi mal. Ça existe, en fait. Quand on progresse, c'est bien. Bien, j'ai même la coupe. Ouais. Je suis content parce qu'il y avait un petit hyper fort. Il avait... 9 ans, je crois. Honoré, il s'appelle. Il est trop fort. Il est. À un moment, je gagne et en fait, je vois que j'ai gagné et je dis au gars, mais ça lui enlève pas quand même le podium. Je me disais, mais c'est un enfant de 8 ans, bichette. Je fais, je vais pas lui enlever la coupe. Il me fait, il en a déjà plein des coupes. J'ai fait, bon, bah, c'est bon alors, celle-là, c'est pour moi. Je ne me laisserai pas éroder si facilement. Du coup, il n'y a pas d'âge pour s'améliorer, c'est génial. Ça c'est nul. Je sais pas. Oh, paladin, maillet. C'est là, un cri au four. J'en sais rien. De toute façon, le seul truc qui peut vraiment m'aider, c'est plutôt ça. Mais... J'arrive. J'aurais peut-être dû mettre lui. Aucun répit pour les gosses. C'était honteux. Dans ma tête, je me disais, mais non, c'est... Je me suis concentré comme jamais, je me dis, je peux pas perdre contre le petit.
Lui, il a un classement speed. Il est à 1400. Bon, j'étais content quand même. Non mais sa façon de jouer, elle était, c'est très particulier. Est-ce que je fais ça et ça ou je lui vire les trucs? Attends, c'est pas très menaçant non plus. Si seulement j'avais une bonne. On va le faire ça. J'en ai un deuxième. Ouais, ça baisse le coup pour lui. Pas du tout, c'est une fois par tour. Putain, faut que je m'en souvienne ça à chaque fois. En fait, lui, ce qui était bizarre quand il jouait, il regarde quasi pas l'échiquier. En fait, il a regardé au début, il a joué, puis après, il faisait comme ça. Il regardait. Oh, le jeu de la dame, il regarde le plafond. Voilà, ça c'est plus chiant par exemple. 3-3-6, je peux même pas passer avec celui-là. En même temps, lui, il va nulle part. Peut-être faire ça, non? Ou lui, peut-être. C'est le calme avant la tempête. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais mettre lui, peut-être, pour menacer un peu. Et lui qui peut clean un petit peu. Donc maintenant, faut se souvenir, c'est 3 points de dégâts, mais on récupère pas de points de vie. Et après, les échecs, je joue quand même beaucoup. Enfin, beaucoup. Je fais quelques parties par jour à chaque fois. Après, je me force à jouer en blitz 5-5. Parce que je suis pas assez rapide, je suis lent, c'est une catastrophe. Mais ça m'a bien aidé, par contre le tournoi c'était 10 minutes. Et j'avais l'impression d'être large, c'était la première fois. Et j'ai perdu une autant quand même. Vous n'avez qu'une infime partie de mon pouvoir. Ouais. Ah ouais, mais lui il s'est dit je vais raser. Ok. Lui, je crois. Voilà, il y a moins de monde, ça me plaît mieux. Très bien de toucher lui là. De pouvoir le poser maintenant là. Parce qu'il va peut-être faire des efforts pour clean, il pourra peut-être pas mettre un truc trop menaçant. Ce serait bien de le piocher. Si je pioche 2, 6, non je pourrais pas le jouer. Blind! Ah oui, c'est la Zérite qui l'a créé. Oh non, mais son dieu, c'est pas bon. On a pas beaucoup gagné avec ce deck. On va pas le garder après. Du coup, je passais légende quand même hier à 23h38. On avait jusqu'à minuit. Du coup, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'étais content. Et je pensais arriver dans les 22, 23 000 parce que en général, c'est dû à ton MMR. Mais je suis arrivé dans les 12 000, donc finalement, c'était pas trop dégueu. Ah, eux ils prennent pas par contre. Oh. Peut-être dû mettre celui-là. Il y a beaucoup de cartes là, le monsieur. Là. J'ai peur de me prendre un truc. Est-ce qu'il a quoi là? Ça c'est créé par Flynn. Ça c'est une pioche sacrée. Ça c'est un mort-vivant. Un sort sacré. Et une potion personnalisée. Ok.
Et après 4, 5, 6. Bon, je contre Corp Corp. J'ai pas vu le pseudo. Pourquoi il joue ça maintenant? On va taper lui. Ok. Est-ce que ça... Je crois qu'il faut les tuer ces trucs en fait. Parce que ça peut grossir avec l'histoire du sacré, je crois. C'est un peu relou. Ou alors je mets ça. Il y en a deux à tuer, 2, 3, 7. Alors ça et ça, je fais assez... Non, on va piocher. Ouais. Ce qu'on voulait. Mais je vais quand même faire comme ça. Si on a qu'un de menaçant, il y a un taunt à passer, c'est bon. Et le tournoi, ouais, si je parle du petit là, je relis ton message là pour un gosse de 9 ans, c'est beau. Lui, c'était le seul enfant à participer au même classement que les adultes, quoi. Il n'était pas dans les catégories enfant. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Ah. Ils avaient fait un classement enfant et un classement adulte. Mais lui, il était dans le classement adulte. Et après, on pouvait jouer contre. Ouais. Putain, ça règle le truc, ça, non? Ouais, s'il pouvait devenir un champion, comme ça je pourrais dire j'ai battu un champion, ça serait génial. Il avait 9 ans. Mais nous continuons le combat. Oh non, mon dino! Non, il a une quête? Je savais même plus qu'il y avait. Deux parts de butin, ok. Je ne me laisserai pas éroder si facilement. 3 points, c'est pas assez. Ça, c'est rigolo. J'ai pas de sort, ça me sert à rien, je suis là. Tellement d'options. Faire ça comme ça, je crois. Jolie cette carte. Qu'est-ce qu'il m'a balancé là? Ça m'a rien fait. Il me jette des trucs. Ah oui, d'accord. Pardon? C'est sérieux ça? C'est un peu chiant ça en fait. Je suis en slip un peu hein. Si ça ça tombe pas en plus ça me sauve pas parce que lui il va revenir. C'est un peu chiant là. Ouais, il va me tuer là. Je peux pas piocher, ça c'est une ruée.
Donc c'est-à-dire que je suis obligé de jouer ça là-dessus, c'est hyper triste. Et tout va se faire déglinguer. Essayez seulement de baptiser. Provoque. Et non. Tout sert à rien. Mettre des trucs histoire de meubler, non? Il a 10. Ouais, je vois pas. Je vois pas mettre. Il met pas les 6 dégâts? Non, c'est sérieux? Il est en train de. Non, c'est qu'il a. Il se fout de moi là, il est juste en train de jouer. Oui, voilà. Il me semblait. Ah, mais si, en fait, il en avait besoin, parce que c'est aléatoire. Donc, ouais, tant qu'il y avait du board, il pouvait pas. Je peux pas perdre d'étoiles. Oh, on a perdu avec celui-là. Bon, on change. Il y a un moment, je vais chercher le boire, je crois. Enfin, même le verre, il transpire, c'est comme des livres. Ça fait de la condensation dehors. Le roi Lich, Audre Morgul. Les vents glaciaux apportent l'obscurité. Garde rien là. Ah, mais je l'ai renvoyé pour pas que tu me le donnes. C'est pas vrai ça. Alors faut le compteur pour ça, le compteur pour les cadavres, le compteur pour lui, ok. Travail terminé. C'est un peu chiant qu'il les joue direct, ça veut dire qu'il doit en avoir. Non. Au combat. Mais je vais pas le laisser. Mais ça non plus. Ça j'ai des cadavres. Ça réduit le coût des géants là. Un emballage solide pour transporter les trésors. Dépenser, ah oui, je dépense des cadavres. Ça, ça dépense. C'est bien. Ça par contre c'est top, non? Est-ce qu'il vaut pas mieux que je mette le lieu? La mort réclame son dû. Avec un peu de chance, je peux peut-être en péter un là, parce que sinon je vais prendre pas mal de dégâts, non? Allez, j'essaye. Mais non! J'en ai pas touché une carte. Bah ouais, tu peux. Ça, il m'énerve ce jeu. Ça fait mal à la tête quand ça fait ça. Un emballage solide pour faire celui-là finalement. Le jeu de tous les dégâts. Ah, ça c'est relou. Il va falloir que je suis lui en premier. Ouais, 4, 7, 10, 7. Oh là là, ce que je prends là. Hop. Levez-vous et venez servir votre roi. Ça meurt ça ou pas? Ah bah voilà. Bah on est bien là.
Donc là, il faut les dépenser. Bon, lui, ça l'a réduit. Il faudra peut-être que j'arrive à sortir ça. Ça, c'est doit être hyper avantageux. Là. La pioche, peut-être aussi. Est-ce que j'ai un truc pour remettre des points de vie, moi, un peu? A priori, il n'y a pas grand-chose. Et moi? Ok. Pas si j'ai vraiment besoin de clean tout le bord, mais... À la fin du tour, si je mets ça, je vais en piocher une. Un mort de plus ne peut pas faire de mal. Ah bah, il est terminé. Oh non, des pirates. Deux, ça va. S'il a lieu, ça peut être chiant. Ça dépend ce qu'il a. Ok. Ouais, quand t'as la main pleine, il faut bien y penser à lui, là, avec ce parachute. Là. Parapente. J'y pense jamais, il n'y a pas trop qui le joue, mais si tu fais piocher trois cartes alors que tu veux pas, ça peut être un peu chiant. Faire quoi ? On peut taper lui, ouais. Il fait des cadavres, j'en fous. Je m'en fous. Ouais. Faut quand même, monsieur. Attends, je vais faire de la place. Pas très gros, mais ça reste une provocation, je crois, c'est ça. Puis ça descendra le coup de celui-là, je crois. Jusqu'à ce que la mort ne se passe. Pour le meilleur et pour le pire. Travail terminé. Il est costaud, monsieur, pour zéro quand même. Ah oui, il y a ça pour reprendre des vies. Mais ouais, je peux pas le jouer tout de suite. Ok, il a décidé de me piquer. Bah ouais, tu veux pas piquer 2x4. Hein. Okay. Ouais. Argent. Allez, on a fait bronze à argent déjà. Ouh. Pas le plus compliqué. Ah, jusqu'à diamant 5, ça va, c'est facile. C'est le dernier palier pour les gens de ces chiens. Sans les étoiles bonus, c'est vraiment une punition. Vous connaissez les tuches? Tu peux perdre une carte, mais pas 15. Moi, je croyais que tu pouvais faire une défaite, mais pas 15 de suite. Bah, si. J'étais diamant 1, 3 étoiles, je suis redescendu diamant 5, 0 étoiles, j'ai pris 16 défaites de suite. Apporte l'obscurité.
Ça fait mal au mental. Et pourtant, j'ai fait des pauses entre. Parce que à partir de 2-3 défaites d'affilée, en général, j'arrête et je dis, attends, on n'est plus dedans. Je me suis fait déboîter. Qui a fait mieux? Dites-moi. Druide. Il va nous mettre un vase, lui. Je le sens. Ming. Blague de merde. Amoureux de jeu de mots, de balle. C'est ici. Ça, c'est très bien. Cocher. Au combat. 25. Compliqué de faire mieux. Bah, en soi, c'est une performance quand même. De perdre 16 fois de suite, mais en voulant gagner en plus, hein. Pas en se disant je jette toutes les parties. Hein. C'est exceptionnel. Ça fait un peu mal à l'ego. Hein. Je crois que lui, le plan, c'est de lui casser la gueule le plus vite possible, hein, si je veux gagner. Ah oui, dépend jusqu'à 5 cadavres. Du coup, si j'en fais que 2, ça me baisse un peu le coup de lui, mais c'est pas foufou, quoi. Ça va plus faire piocher. Oh, ça c'est bien, ça. Ah oui, mais ça, avec ça, ça se met trop bien, en fait. Attends, je vais aller piocher d'abord. Voilà. Il est mort. Allez. Parfait. On peut le remettre plutôt là-haut, ce serait parfait aussi. Non, là-haut. Prenez-en une dose de plus. Je remets un point de dégâts ou je mets eux? Moi, je remets eux, je crois. Et ça me rouvre le lieu, magnifique. Aux échecs 16 de suite, si, enfin, c'est possible aussi, je pense. Et je pense que les gens sont pas comme moi. Moi, je suis un acharné, je prends 16 défaites de suite, j'ai quand même réussi à remonter et à passer les jambes. Et j'ai perdu que 3 fois quand je suis remonté. Où tu dis, mais alors j'ai pas joué les mêmes decks. Mais quand même, tu dis, pff, qu'est-ce qui s'est passé? 16 fois de suite aux échecs. Je suppose que tu vas dans un tournoi où les mecs sont un peu forts, c'est 16 participants, tu peux prendre cette branlée. Je pense que j'en suis capable. Après, en général, les gens ne rejouent pas après. Argent 5. Mince, il m'a doublé. Oh, le vil personnage. J'ai vraiment rien là pour aller chercher autre chose, non? Oh, les deux ruées là qui meurent pas. Parce que ça, il peut faire un clean et j'ai plus rien. Alors que ça, ça va laisser des chiens là. Après, ça baisse le coût du géant. Là, si je fais 5 cadavres, il va coûter 4, donc c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Là, il y en a 3 qui vont mourir. Alors, je vais essayer de faire ça. Vous souhaitez vous enregistrer ? Ah, oh, je suis mort. Ah, je suis mort, j'ai pas de board. Je pense que tour 7, il va me fumer. Bien visé. Encore 1, 2, 3.
Mais il y en a combien des boissons de merde là comme ça? C'est pas vrai ça. Un dauphin? Un oursin, pardon. Ça, ça me permet de tuer lui. S'il a pas la deuxième, on peut peut-être s'en sortir. Est-ce qu'aucun intérêt de taper là-dedans et piquer lui? Je vais aller chercher quoi? Le cavalier sans tête, ça fait un peu d'armure, ça tue lui. 100%, pourquoi pas. Je peux tenter ça. Ok, c'est pas du tout ça. C'est pas mal aussi, mais je peux pas laisser lui en vie. Ah, quoi qu'attend ça, plus lui. Plus eux, plus... Ah putain, par contre, je vais récupérer ça, c'est vraiment nul. Attends, mais lui, il va coûter 0. Donc si, je vais faire ça. Voilà. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et tant pis, je récupère ça de 1, on s'en fout, mais... Je peux pas le laisser free. Il a utilisé un balayage, donc il reste plus qu'un. Là, je pourrais prendre genre 6. Et après, faut que j'évite 8 points de dégâts qui partent. Allez, vas-y, là, la deuxième. Tiens, ce jeu. Putain, il reste 17 cartes, quoi. Et là, c'est full boisson, c'est ça? Ah, il peut refaire effectivement un balayage. Je ne peux pas toujours gagner. Ah, ça suffit pas. Ah, 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 ah. Bien fait. Aucun respect. Magnifique d'autres cartes. C'est de la merde. Enfin, j'aime pas. On en a plein, des comme ça. Ils se foulent plus trop, j'ai l'impression. L'autre fois, c'était une pizza champignon, là. Allez, on a rattrapé Lugosi, là. Donc, Lugosi, c'est quelqu'un contre qui je suis tombé. Ah non, il y a 4 déjà. Et en fait, on a discuté après un match, parce que c'était une partie un peu machin, super sympa et tout. Du coup, on s'est ajouté. J'ai vu qu'il s'était mis à streamer, c'est un Italien, et il est dans les 2-3 000 légendes. C'est quelqu'un que je croisais hyper souvent en game. Là, je le croise plus. pas du tout le même MMR. Bon, tant que je gagne, je continue. On va dire ça. Comme Coluche. Tant que je gagne, je joue. Je vais chercher de l'eau après. De l'eau. J'ai de frais. Et au frais. J'ai de l'eau au frais aussi. Je vais faire pamplemousse, sirop de pamplemousse, ça. Le roi Lich. Ah. Le roi Lich. Mort. Pourquoi c'est marqué Priest? Ah, c'est son nom en fait. L'obscurité. c'est pas une classe prêtre. Arthas, je t'ai mis ta branlée à Warcraft 3. Et à tourner, je peux te la remettre ici. Une seule dose. Marchand, endgame. Une seule dose réglera. C'est souvent, ouais, je fais pas gaffe aux illustrations aussi, mais la bataille de coussins entre ghouls, ça me paraît très peu probable. Hein. Une dose de plus. Ouais, je sais pas, je rentre des dégâts. Je vois pas l'intérêt de tuer celle-là pour l'instant. Ça lui permet d'aller chercher des trucs s'il a une main pourrie. Il a une meilleure maintenant, mais voilà. Pas pu. J'ai envie de faire ça quand même. Pourquoi? Pour faire des cadavres. Tout simplement. 1, 2, 3. Voilà, comme ça j'ai 5 cadavres déjà. Parce que l'autre c'est un T5 là, la mariée cadavérique, c'est quand même fort. Hein. T'as un T5, t'arrives presque à faire une 10-10. Ah bah avec cela on y arrive. Presque 5. Si j'en tue un là, c'est bon.
l'huile, ça lui. Sincère. Je savais que t'avais pas lui. Là, il a son fromage. Oh, oh, il fait chaud. C'est pas tout ça, mais avec mes vieux os. Le problème c'est que chez... si il répop, je... ouais, je vais faire ça plutôt. Là. Là. Et voilà, si on les a. Bon, c'est deux quand même. Voilà. Quel pareil. Ça meurt pas ça? Non. Ah, ça va mourir. J'ai la seule qu'il fallait voir. La citadelle tient bon. Dommage, je vais mettre ces deux. Travail terminé. En termes de cavadable, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, j'ai de la pioche. J'allais chercher les mariés, les gros trucs là, les géants. Raccommoder les géants de cristallin pour chaque fois que vous avez utilisé un lieu dans cette partie. Ben ça je l'ai pas fait. Donc ceux-là, faut pas les piocher. Vous auriez bien besoin d'une fêture. Non. Vraiment. Ok. Oh oui. J'ai peur de la 6-3 qui me vole. Voilà, je vais tout de suite. Attends, il l'a peut-être pas en main. C'est pas un truc que tu gardes. Après, il a gardé une carte depuis le départ, je sais pas ce que c'est. Il a pas joué. Ok, lui il a fait 5 cristaux. Je joue pas tout à fait la même liste. Celle-là, j'en ai une autre, je pense qu'elle est mieux. De toute façon, si on perd en switch. Il a combien de mana, le monsieur là? 2, 3, 4, 6 ans, ouais, ok. C'est fort comme tour. Hein. S'il a l'autre, ça va être compliqué quand même, mais bon. Pas trop ce que je peux faire, je peux jouer ça tout de suite. 3, 4, il reste 8 points de dégâts. Mieux, enfin. Comme ça j'ai dépensé pour les géants, si jamais si on les touche,
piocher. Allez là, hein. Le 4-4 c'est déjà bien. Est-ce que ça force celui-là à taper dedans? Ou alors d'utiliser le canon. Et si le canon pouvait faire tac tac tac, ce serait bien. Ah non, bah voilà. On a décidé autrement. Elle a carrément pas pris de risque, c'est dommage. Aïe. Un mort de plus ne peut pas faire de mal. Levez-vous et venez servir votre roi. Oh, mais c'est pas vrai, elle est géante. Bon, j'en ai eu un. Je suis peut-être mort. 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ça pue. Je crois que je vais être obligé de jouer ça, espérer qu'il y ait du vol de vie. 4, j'aurais pu avoir le dragon 4-3. Bouclier divin, ruée. 5. Vas-y, en plus je prends tout dans la gueule. Ah, je crois qu'il a compté. Il a mis du temps pour compter. Oh non, mais sérieux. 2 heures pour compter 8. J'aime pas les gens qui font ça. Après, tu sentais qu'il l'avait pas. Quoi. Ça doit être compliqué. 8, ça fait beaucoup. Salut. Il manque 2 heures là pour jouer l'étal. C'est chiant. Okidoki. Du coup, on change, on switch à celui-là. Mets un petit écran de pause le temps de d'aller chercher à boire. J'ai un truc pause ou pas? Je crois bien que oui. Ah bon. À tout de suite. Alors, du coup, je vais le supprimer celui-là. Je le trouve pas ouf. Celui-là il est rigolo à jouer. Et pourtant, on a moins gagné avec nous. Attends, je vais regarder ce que c'est.
Ah non, je l'aime pas trop. Ouais. Mais je vais virer. Là, il y a quoi? Si, lui était drôle, le chaman et l'âme. Bon, on peut refaire lui, du coup. On remonte, tac, tac, celui-là. Je pense que je ferai qu'une partie ou deux, ça va voir comment elle dure. Un, parce qu'il fait trop chaud. Et deux, parce que je m'occupe de mon fils. Rukan contre Garrosh. Saint Muffin. J'espère que vous êtes d'attaque. Bon, je garde tout. 1, 2, 3, 4. Le temps direct, je pense pas qu'il est... il va gaspiller des ressources sur 2-1-1, ce serait débile. Franchement, si je prends une Blade Storm. Bonjour, monsieur. Je sais pas. Est-ce que je fais ça comme ça je tourne d'après je peux. Non, je vais faire ça. Totem se fait de l'armure, de la pioche, c'est trop chiant à laisser. Là, je pense que c'était aseptisation qui est prête. Côté 6. Hein. Moi je peux enchaîner ça et avoir un tour avant qu'il utilise la civilisation. Donc on est pas mal quand même. Bon après tout va crever donc je vais éviter de mettre du barre. Après en même temps, là il y en a 3, il y a ça. Et il va clean un peu je pense. D'accord. J'ai pas de place en fait, quel abruti. Je peux mettre lui. Donc là, prochain tour, tout va mourir. Ah, c'est con, j'ai mal joué. Ah, c'était pas assez petit à son. Oh, t'aurais pu laisser la pirate. Attends, c'est pas plus mal, hein.
regarde la pièce. Pas grand chose à faire avec. Ok. Je crois que je vais faire ça. Donc, si les deux meurent, je peux peut-être faire ça. Ça, ça, ça cook tranquillement. Oh la divise, le deuxième. Leroy Duncan. Ah du coup il y a pas ces dragonnets, parfait. C'est fat la divise quand même, sans prendre la charge. Après, pour vraiment faire le diamant 5 à légende, pour l'instant, je trouve que celui avec lequel je m'en sors mieux, c'est le deck guerrier. Les parties sont un peu longues, mais il y a moins de défaites, donc au final. Il a joué quoi, j'ai même pas vu. Ouais, ok, il a fait 10 d'armure. Et j'ai tapé lui. Ok. On claque l'armure quand même. C'est le moment, allons-y. Non, c'est pas tout un fromage. Ça va vous sonner. Hop, ça me fine. Une ou deux encore. J'ai pas des games longues avec le chaman. C'est rare d'aller chercher le T6 ou... Guerrier. J'espère que vous êtes d'attaque. Non, parce que si j'ai rien, ça me sert à rien. Lui, il va pas mettre forcément de bord, donc ça, ça va pas me servir tout de suite, ça va me charger. Tu viens de me redonner la même carte, là, non? Il avait dit qu'on voulait plus faire ça. C'est pas... Salutations, mon enfant. Si on ne pose pas quand même, non, je vais faire un totem. La sorte, c'est trop. Thank you.
Ah mince, j'ai pas eu l'autre. Je pense avoir ça. Lui, je crois. Travail terminé. Super. Alors, garage. J'aime pas trop la main gelée par contre. Ça va s'essouffler vite. Quoi que ça, c'est bien. Là, j'ai pas de pirate, à part lui. Mais... c'est ce que je veux dire, on avait des falaises quand même, on les a pas vues. Des doutes. Ça c'est quand même pas mal. Ah. Je joue pas baston, du coup je me suis pas méfié. Je joue avec le cadeau de Garrosh, je le joue pas comme ça sec. Je vais jouer ça. Hein. Ah, hors 10. Ah, il allait trop vite, là, il a enchaîné deux victoires, c'est sûr. C'est trop content. Ouais, c'est pour préparer. C'est un tour où je peux la jouer alors qu'après je pourrais peut-être plus. Au moins il est là. Meurs insecte. Il devrait rajouter des trucs, tiens, mais c'est pour atténuer pour les enfants. Meurs insecte, mais de façon sans souffrance, c'est assez sympa. Allez, Ragnaros. Oui. Seigneur du feu. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Ah, j'ai cru qu'il avait quelque chose, j'ai fait, oh mais non. Ah mais... Et casse-couille, ça peut taper là-dedans, du coup. Purée, j'ai rien pour tuer cette merde, s'il te plaît, Ragnaros. T'as survécu à la baston, tu vas bien taper face. Bon, du coup, là, on risque de disparaître. Ouais, voilà, sceptisation, pièce, merci. Il est content. Fou, je vais mettre le 288 derrière. Chier.
Roi Baston ? Non. Bon, après, c'est la 1 qui peut rester. Hein. Bon, ça va. Oh, ça c'est bien, franchement. Allez, va voir, ouais, ok. Et un serviteur blessé, très bien. Je comprends totalement. Alors là j'ai deux choix. Il n'y a plus trop de cartes. Je pense que je vais prendre le choix 2. Je vais prendre le choix 2. Pourquoi? Parce qu'en fait je pourrais faire ça et ça. Taper 1, 2, 3. Et j'aurai 3 et 3, 6 d'attaque. Je l'enlève 9. Qui est quand même pas mal, hein, mais. Mais sinon, je me dis l'autre solution, c'est je fais un totem. Faut que je tape avec deux fois. En 5 et 4, 9. Ah ouais, non, mais si, je prends ça. Oh, c'est dommage, il manque un. Ça va vous sonner. Je fais ça. Ok. On s'en fout. Mec, ça c'est quand même pratique. Ah, il a encore une baston, mais c'est bah ouais, mais ouais. J'avais pas prévu qu'il avait la deuxième élève démarrée. Démarrée. Ah, j'ai peut-être été greedy alors. Je sais pas. Oui. Sauf que oui. Est-ce que je fais ça? Non, je crois pas. Hein. Que l'ombre vous engloutisse, ça va vous sonner. Je vois pas ce que c'est son deck à lui, du coup j'anticipe pas trop là. On l'a pas déjà vu lui? Il avait pas déjà bouffé? Non, c'était la partie d'avant. Bah mange pas des trucs bien s'il te plaît. Écoute là, c'est compliqué. Ok, ça c'est parfait. J'ai pas joué. Ah non, Gorgonzor mou là. Ah c'est un pirate là. Alors, oui. Ce qu'il y a dedans, qui ça peut bien intéresser? D'accord. Une nouvelle tournée pour tout le monde. Que l'ombre vous engloutisse. Alors, il y a encore un clean. C'est possible, hein? Ah, Zliax, ah là ça va être relou. Ça va être relou, mais. Allez, un taunt. Ah, dommage. Du coup, il va tuer quoi, Zliax ou le Murloc? Le Murloc, il est obligé. Attends, mais il a rué qu'une fois, il est pas mort, et eh oui. Ah non, t'es chiant! Sick.
de bagarre ici. Que l'ombre vous engloutisse. De tout à de poil. Continuez à chercher. Ah si la hydratation là c'est relou. Ah boum, allez ouais, c'est fini. C'est finito. On ne tuera plus. Non je ne tuerai plus là. Ah bien joué, il a bien résisté. Oh il a eu de la chance hein, d'avoir les élèves démarrer et pouvoir refaire la baston plusieurs fois là. On a quand même développé du board 4 fois et il nous a éclaté 4 fois. Ma collection pour la dernière. Est-ce que lui. Parce qu'il faut voir quand même si c'est rigolo à jouer ou pas. Bon, elle se joue, elle, mais c'est pas fou. Je trouve. Oh, il est rigolo. On va faire une dernière partie mage. Réfléchis s'il aurait pu faire autre chose autrement. Est-ce que du coup j'aurais pas dû overcommit autant sur chaque tour? En même temps, je m'attendais pas à ce qu'il me rase autant de fois le board. Mais... Ah, faut développer moins, je sais pas. Votre insolence ne restera pas impunie. Ok. Comme ça. Parfait. Comme ça, je peux tout de suite faire la. La valse des M. Mon fils. Papa. Okay. C'est chiant les totems. Et je veux pas qu'ils boostent avec une improvisation ou un truc comme ça, c'est chiant.
compter. Aussi, c'est bien. Pas sûr du play, là. Celui-là, du coup, il se met bien. Est-ce que je fais pas genre une piole d'abord? Quelque chose de plus fort. Alors que celle-là, là. Ouais, après, on s'en fout de toucher ça. Ok. Bon, là, on va se faire raser. Ah, oh, il va refaire le cadeau. Ah, j'aurais peut-être dû aller face avec les deux en plus, 22. Parce que là, il commence à être fat, ça fait 9 et 10, ça fait 19 là. Ça, c'est chiant. Après, je vois pas vraiment entre d'autres. Donc, je peux le tuer là. 2, 4. Non, c'est un script. Et je suis aussi Lord Grotoni. Oh, Silver. Il est même pas arrivé gold sur le petit heure. Bon, une heure 20. 20, 30. Bon, mais il fait trop chaud. Je vais arrêter. Mon fils va arriver. Je le garde, il est rigolo. Je peux regarder si ce que je veux supprimer pour la prochaine fois. Mage 2. Lui, il y a que des sorts. Ouais, il est sympa à jouer. Lui, il me manque 3 cartes, c'est quoi celui-là? Horizon, fil de l'eau. On verra quand on aura gagné les paquets. Voleur, donc celui-là, c'est celui que j'aime bien. Non, c'est pas celui que j'aime bien, celui-là. Ça, c'est celui avec les falotiers. Ok. Deck voleur 2. Thèse grise tête, non, c'est celui-là qui je trouve sympa à jouer. Lui, ça fait des parties qui changent tout le temps. Alors, on va lui changer de nom. Voleur. FDS. Fête du slip. Voilà, très bien. Je m'en rappellerai jamais.
Et lui, c'est quoi? C'est un autre Elan. Mais il était mieux que l'autre, celui-là. Elan, tac. Je vais supprimer lui. Ça va en avoir 30 pareil. Guerrier, il m'en reste plus que 2. Donc ça, c'est la version Highlander. Et ça, c'est si on rencontre trop de guerriers, c'est bien, parce que je trouve qu'il arrive à faire Bran et boum, en late, tu vas exploser celui-là. Pas celui que je préfère jouer, c'est lui. Et lui, on n'a pas essayé. Lui, c'est quoi? Il y a un tac, un arc-en-ciel, ok. Je vais garder cela pour jouer un peu. Parfait. Bon. Mathieu, je poste toujours là, mais je te dis à la prochaine. Et je pense que je ferai une petite série de stream là jusqu'à essayer de passer légende. Voir si on y arrive ou pas. Et après, je ferai peut-être un peu d'échec. Oh, on a gagné du paquet. Il faut faire quoi? Jouer 6 sorts de boissons. Dommage, si ça, c'est. Ça oui, ça on s'en fout totalement. Ça fait des paquets en plus comme il manque des cartes. Et j'en ai deux, ouais. Hein. Ah bah oui, ce jeu de gagner. Enfin, l'ouverture quoi. Bon, pas terrible. Faudra moins des épiques, s'il vous plaît. Les, au fil de l'eau, là, j'aimerais bien. Je peux me donner des doubles. L'arbre de transport, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Commune dorée. Bon, tant pis. Et là, maintenant, je garde les sous là pour le prochain mini set. Maintenant, je dépense plus là. J'ai assez, juste ce qu'il faut en fait si je veux crafter les cartes. Hop. Je rêve d'un bouton quand même pour décrafter toute une. Toute une collection, mais bon. Un jour, peut-être, on ne voudra. Bon, et ben, petite ending de fin, et puis à une prochaine. Au revoir.